What? Ah, le reverse main. Dito. Oh, il y a eu un call, je te bats en Dito de la part d'Alex Diao. Qui nous dit. Hey, enfin, classique Dito Falcon. Dito Falcon, Smashville. Le jugement par le combat, le jugement des dieux. Ouais, le jugement des dieux avec une petite part, d'aléatoire quand même, hein, parce que c'est un des match-up les plus volatiles du jeu, je pense. Oh, bah oui, bien sûr. C'est le meilleur Dito pour moi, hein. Le Dito Falcon, c'est... J'aime beaucoup le Dito Villager, parce que je peux faire des trucs bien sales avec des pockets et des arbres. Le Dito Falcon, c'est assez marrant aussi. Après, et bon, du coup, le Falcon Doge est en pourpre. Et l'Exiao a pique le Falcon Doré, le Falcon Beaujeu. Pas grave. Ouais, j'ai qui est au point sur son DI, sa Smash DI, là, évidemment. C'est sûr qu'il connaît bien le perso, mais l'Exiao aussi, hein, parce que... Il a beaucoup joué contre OG. Il connaît le joueur et le perso. Et pour le coup, OG connaît pas le Falcon des... Oh. Un genou gratuit. Le Nicky passe. Dans la tête. Ouais. C'est un peu le match-up. Pour une fois, enfin, le Falcon Dito, c'est du spam pour de une pair, fois que c'est OG qui se fait ni. Moi, je dis ça, spam du nerf. Oula. Il y a eu un tentative de. C'est le Dandy. Ouais, c'est ouais, le Dandy. Oh, c'est joli ça. Ouh, c'est dommage. On voit qu'il connaît. What? Ah, il attendait peut-être une Rico. Ouh. Il tente de cheese en OG. Il tente, hein, ouais. Entre le side build, Dambi. Des choses qui sont très rarement en neutral. Mais il sait aussi que. La dash attack qui follow. Falcon n'a pas de très bonnes options. Non, c'est vrai. Il a un très bon jab out of shield. Mais à mid-range comme ça, le jab connecte pas forcément. Ok. Bon. Ah, il est revenu. Tout est jouable. Un beau back air, là il reste safe, hein, il a arrêté de jouer un peu le jeu des Xiao. Oh, ça a été rive de la part de l'Xiao. Hein, un landing un peu. Oh, et il a suivi la grappe, t'as vu éloigné. On l'a pas vu, mais. Combo. Dommage. Ah. Il aurait pu là, il aurait pu le donner. Même à ce pourcentage là, c'est même pas. Ça cherche le genou, hein, des deux côtés. Hop. Du upper. Ouais, effectivement, comme OG vient de le dire, si l'Exiao avait attendu pour faire un rap backer, OG était déjà dans la blast zone. Mais le pair a fait survivre. Ouh, ce bord de plateforme qui fait peur. Oh, oh, pas mal, le sweet spot de backer. Le sour spot de backer, c'est joli, un bel edge guard. Et le comeback. Important, hein, très très important pour un Falcon Main de... D'assurer sa réputation. Et il était pas très bien, il avait 144% non, à la fin. Mais le Zito, c'est quand même un match-up très volatile. Volatile. Ouais, je suis d'accord. Et c'est du coup, ça met la pression quand t'es un Falcon parce que t'as envie de gagner quand c'est ton perso. Mais en même temps, tu peux tellement te faire douiller. Et il repart en Dito Falcon, je crois. Il repart en Dito, hein, Alexiao qui est sans doute assez confiant du fait qu'il est en winner. Bon, OG, évidemment, ça le dérange pas parce que c'est un match-up qu'il connaît, qu'il aime bien et sur lequel il gagne pour l'instant. Moi je dis, il y a eu la notation Pac-Man, c'est sans doute un signe. Hein. C'est vrai qu'il a le jeu call de Pac-Man. Hein, ouais, Ouh, ça remonte, mais tendu. Ça remonte tendu. Non, mais on voit que j'ai un peu changé de style de jeu quand même. Hein. Quand il a perdu la première stock, il est passé en mode c'est un peu plus sérieux. Ouais. Parce que le Dito Falcon, tu peux le jouer. Gazou. Dito Falcon, c'est-à-dire, on s'amuse, on bourre, on tente des choses, mais après, effectivement, OG a joué nettement plus safe, et sorti les back air. Le PR on shield. Ouh, ça tente d'aller spike assez bas. Mais pas trop risqué. Et il a eu ce comeback sur Alex. Hein. Voilà, maintenant. Ça tente le hard read aussi. Hein. Ouh, très joli. Ah, peut-être un problème de manette, non? Non, ça va d'aller. Ah, Alexiao, on a cru qu'il avait lâché et qu'il avait pas oh, eu le. Le nid, voilà, juste après le père, le nid qui était confirmé, hein, attention. Mais très bien rattrapé. Ouais, la petite 49% de derrière sur le jump. OG qui était à ce pourcentage, hein, quand il a sorti l'Exiao et après il est remonté, donc c'est encore jouable. Ouais, non, c'est pas fini. On l'a dit, tout va très vite en Dito. Hein, ouais. Voilà, le fameux backer dont on parlait tout à l'heure. Là, il a eu que le sour spot. Mais un sweet spot aurait évidemment tué. Là, il avait pas de pour le EPR. Non, le EPR là, même à cette hauteur. Même à cette hauteur, ouais, non. Bon, pas encore. Ça tue. Voilà, oh, ça le spike tue pour le coup, hein. Qu'est-ce qu'ils vont tenter maintenant? Je sais pas s'ils ont un game plan très défini, ça va être un peu au fur et à mesure.
Ok, ouais, Elex qui veut jouer offstage, effectivement, ça marche très bien. Contre un Falcon, celui qui prend l'avantage un partout, offstage. Dans ce dit au Falcon. Un bon lead. Qui est accessoirement un une grande finale. Hein, Ouais, une grande finale. On a eu des random Ditto en grande finale. On a eu des belles choses. C'était The Flow, ça, non? Voilà. Ouais, j'étais là. Ouais. C'est un laboratoire ici. Ça tombe. Qui fera son grand retour au Meltdown Smash Challenge, hein, qui était pas là ce soir. Ouais, c'est le Meltdown Smash Challenge. Pour les phases finales du SC. C'est qui? Il a gagné? Oh oui. OG qui voit un mauvais DI et qui punit instantanément. Et il enchaîne un 0% toujours. Allez, il a pas pris 1%. Bien, voilà. Le backer. On y croit, il en a déjà mis un récemment. Oh, Elex qui a très bien mix up sa Rico. Ah, ce sera pas le 0 tout death. Mais il peut quand même prendre un avantage. Il était pas en bonne situation, il avait perdu son jump. Ouais, les deux ont cherché le EPR. Elexio était le premier dessus. Ah. Le petit qui est pas une si bonne option que ça quand même. Hein. Sur le ledge pour Falcon, ça marche une fois de temps en temps pour catch un jump. Un jump un peu. Ça marche en tout frame. Ça marche en tout frame, mais il est très dur à timer. C'est beaucoup plus efficace d'essayer un donner évidemment. On aurait peut-être pu voir un nid là-dessus. Le bounce en vrai marche pas mal dans ce genre de situation. Oui. Faut savoir un peu ce qu'on veut. Ah, le backer qui va sortir. Et OG voilà, qui prend un lead assez solide. Même mais l'Exio qui vient remonter avant. Ouais, dans ce ditto, un lead veut rien dire, mais ça reste quand même significatif. Parce qu'il peut s'accrocher à son stock OG s'il va pas faire Mario Love Stage. Voilà, tu vois, il reste safe. Oh, c'est bien catch. Il tente aussi le petit. Hein, il a les pourcents pour le faire. Oh. Ouh là 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 là. On a vu qu'il attendait l'air dodge qu'il l'a eu, mais que finalement. Il s'attendait peut-être pas en fait. Il a bait l'air dodge, mais il y croyait peut-être pas, Dinas. Ah, dommage. Il tente d'aller catch même sa trick recovery. Oula, oui, ça a été tenté. C'est vrai non, ça a été tenté. Ça ne fera pas fructueux. Le ledge roll de Falcon est très bon. Donc, Bon, ça a trade. Moult pourcent quand même de la part de l'Exia. Ouais, un bon lead pour OG, mais encore une fois un match-up extrêmement volatile, donc là... Ouh, je pense qu'il ça aurait pu punir. Il a tellement intérêt à essayer d'aller chercher offstage, il va essayer de rester plutôt safe. Attendre un peu que ça monte. Chercher les back air confirm, des ledge trap. Évidemment, voilà, essayer de pas se faire embarquer comme ça. Alex. OG qui cherche le center stage et XO. Elex qui a un petit momentum quand même. Ouais, hein, le stage control, il veut pas le lâcher. Ah, le backer qui passe. Ça sort pas encore. Mais le prochain tour. C'est bien parce que ça remet OG. Enfin, c'est bien pour OG parce que ça le remet en état d'avantage. Dommage. Il a laissé passer Elex derrière lui. Et il se retrouve en désavantage. Il prend des risques, hein. Il commence à s'impatienter un peu. Voilà, il recule, il se calme. Il prend son espace. Ça tente le DI mix-up et XAO c'est pas les savoirs. Ça a été catch. Ça passe. C'est propre. On est à 2-1 du coup. 2-1 dans cette grande finale d'Ito Falcon pour OG. 2-1, winner side grand finals. N'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte. Et XAO en winners, pardon. Donc potentiellement premier set de grand finals. OG à l'occasion de reset. Je pense que s'il se fait prendre le set, il va. Oui, je pense aussi que XAO va switch s'il se fait envoyer en loser. On est reparti sur Smashville, logiquement, hein, terrain que Falcon aime beaucoup. Après, là, de toute façon, à ce niveau-là, c'est juste une question de joueur, hein, évidemment, mais. Smashville, c'est un grand classique. OG qui essaie de capitaliser sur son mouvement, hein. Il a vu qu'Alexiao était pas aussi au point que lui. Il avait pas cramé son saut, Alexiao. Non, il est très très bon, il est très 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 bon pour ne pas se faire. Ne pas perdre son jump off stage. Là peut-être qu'un air aurait pu passer, je sais pas bien parce que c'était dans une bonne position pour continuer de pair. Il a pris des pourcents gentiment. Voilà, on continue, des juggles, ça fait plaisir. Allez, OG qui a le. Oh, allez, c'est tech. Ah dommage. ouais. Oula. Risqué. OG qui perd rapidement le stage control hein, alors qu'Alexio a pas envie de lui laisser, c'est très très bien joué ça. Ouais,
ça tente le spike, mais non. Xiao l'avait vu venir de loin. Et il tient son terrain. Voilà. OG tente systématiquement d'aller chercher offstage. Je sais pas si c'est une stratégie payante. Hein. Pour l'instant, il a pas eu beaucoup de kills. Et d'ailleurs, il s'est fait avoir une fois là-dessus. Ouais, hein. Et c'était assez 50-50. Ouais. Hein. C'est-à-dire que des fois, ça marche. C'est... Ouais, ça, je sais pas si ça lui a énormément bénéficié. Voilà. Bah, et là, il reste, y a l'avantage. Il est sur le terrain. Il garde son avantage et il a le kill. Hein. Mais il n'y a pas de réel avantage qu'il a dégagé Edgeguard. Edgeguard, c'est-à-dire que ça dépend. Des fois, c'est Évidemment, Falcon se fait edgeguard très facilement. Mais il risque pas mal aussi à aller edgeguard en fait. Et là, sachant que c'est un Falcon Vito, c'est un peu coin flip. Hein. Ouais, c'est un peu coin flip. Enfin, voilà, justement, si tu vas chercher offstage comme ça, c'est assez coin flip. Mais en restant on stage sur le terrain, garder voilà, le contrôle, comme je le fais là bien, tu peux gagner des dégâts. Voilà, hop. Faire attention, remonter vite. Voilà. En fait, c'est extrêmement volatile, surtout offstage. Une fois qu'on est de retour sur le terrain, ça se joue plus dans le neutral, dans le main game. Dans des fondamentaux, dans le mouvement évidemment. Le prochain backer. Mais c'est moins volatile en fait, on va dire. Le prochain backer qui risque de sortir hein, du côté d'OG. Ça tuera pas. Oh, ça a été bien lu. Ça y est, là il est parti offstage. 3. Il a vu les reset bracket. Est-ce qu'ils vont continuer en dito? Les pieds sur la tête. Ouais, ok. Donc c'était ce que j'y attendais depuis maintenant 3 games. Et Lexiao a lâché son jump une fois. Il a pas fait. Ah, il continue en dito balcon. Hein. Allez, attention. Allez, Lexiao qui continue sur du Falcon. Hein. Il veut pas remonter. Piqué au vif. Bah après le. Ouais, c'est parti. Après le match, j'y vais si tu veux, mais. Ça s'attaque, ça se combo. Lexiao qui regarde ce que fait OG. Hein. Ils prennent tous les deux, on voit. Des petits. Pas des hésitations, mais des temps d'observation. Hein. Ouais. Hop, voilà, là, on a vu. Il a gagné trop. Il est pas parti immédiatement, il a eu le temps de regarder un peu ce que faisait OG. C'est joli. Je sais même pas s'il était frame perfect ici, mais. Il était solide. Xiao ne manquerait pas une occasion comme ça. Oh, c'est propre. C'est propre, voilà. Oh, dommage, le spike était. Le Falcon Dive, donc le Beat Falcon qui a une fâcheuse tendance à avoir une main qui dépasse au-dessus du terrain. Et ça se fait manger violemment par tout ce qui traîne. Donc des down tilt, des hitbox qui traînent un peu. Oh, ouais, pas mal. Dommage qu'il a eu que. Voilà. OG, il remonte. Dessus, il faut pas aller le chercher. Si t'as perdu ton jump offstage. Que t'es obligé de Rico bas contre OG, ça sert à rien d'essayer, t'es fini, t'es par terre. C'est un théorème, c'est ta vie. Ouais, là pour l'instant il en a pas raté. Hein. Mais pour le coup, quand il a gardé son jump, il remonte. 30% d'écart, là, on a vu que ça valait pas grand chose. Un peu plus maintenant, non, mais on a non, vu ça que. Pas grand chose. On a vu que ça valait pas grand chose. Hein. Bon, d'accord. On a vu que Smash 4. Ouais, Falcon Ditto Smash 4. Là, voilà, Falcon Ditto Smash 4. Il y a pas de dégâts quasiment. Enfin, ça dépend de comment ils choisissent de jouer, hein, encore une fois. S'ils veulent aller offstage, y a pas de dégâts. S'ils veulent rester onstage, ça joue plus. Ils tentent souvent ce uptick. Ouais, ils tentent souvent. Mais oui, parce que justement, Falcon, quand il Rico, a la main qui dépasse. Oh, c'est très beau. Le read. Ah, Alexia, ok, fait un petit missing put là, mais. 1-0 ou 2-0 c'est ce qu'il nous dit. Il y a 2-0 OG là. En 7-2 de Grand Finals. Mais oui, donc OG tente beaucoup le down tilt, mais c'est spécifique au Falcon Ditto, je pense. Parce que justement, Falcon a la main qui traîne au-dessus de sa tête quand il Rico, et ce qui fait que ça donne plus de temps à l'adversaire. Et il continue, il enchaîne. Donc en fait, c'est pas un 2 frame, mais il y a 6 ou 7 frames en fait pour se faire, il y a 2-0 pour OG. Se faire spike. C'est pour ça que OG tente le tilt. Ouais, il y a 2-0 pour OG là pour l'instant. Ah, donc du coup, là, si Alex. Alexiao qui veut pas lâcher, hein. Après, je pense qu'ils ont aussi l'occasion de deux sessions entre eux. Oui. Donc Elex là, qui est venu tryhard au Neoken de se marrer un long coup. Elex, tu fais le meltdown smash? Effectivement. Je joue la palle libre, attention, voilà. On voit que contrairement au game d'avant, OG il a plus envie de perdre, là il revient il revient vite vers l'intérieur. Oh, le F smash du coup, oui.
Il avait call. Il s'est pas fait piéger, Alex. C'est pas passé. On revient à une égalité quasi parfaite. Oui. Ouais, c'est bien ça, il a attendu la guédette option au lieu de bourrer. De bourrer un peu n'importe quoi, hein, parce que n'importe quoi aurait pu faire le taf, mais. Le grab, c'était effectivement cette bonne idée. Bon, deux fois qu'il est tiré à Dodge, hein, je pense qu'ils l'ont vu tous les deux. Maintenant, on sait pas tellement à quel niveau de mindgames ils peuvent jouer. J'ai vu que tout à l'heure, Elexiao faisait exprès de Rico. Je sais plus contre qui c'était, mais il avait fait exprès de Rico toujours de la même manière. Et ça avait bait le stage spike de son adversaire. Ouais. Et lui-même, Elexiao était prêt à tech et punir. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a Rico trois fois de la même manière. La troisième fois, il s'est fait punir. Il a tech et il a eu le hit après son tech. Et c'est ça qui lui a donné la game. Donc vraiment, il est capable de jouer. Je sais pas si t'as vu, mais il y a eu les éclairs hein, sur le jab sur le bord de la plateforme. Ah, j'ai pas vu, oui, ça m'étonne pas parce que c'est un et c'était à 30%. C'est un extrêmement fixe en fait. C'était le jab, c'est ça. Pas le. Ah, le et c'est fini. Ouais, bah bravo. OG qui remporte cette 29ème. Il y a 2-0, il y a 2-0. Et les gars, il y a 2 ou 3-0. Il y a 2, je crois. Il y a 2-0. Ah, je me suis un peu emballé, désolé. 2-0 donc pour OG. J'ai mis le doute. Et je sais pas, dans ma tête c'était 3. En fait non, j'étais surpris que Alex continue avec Falcon dès la game 1. Ah bon, il va changer, il attention, prend le Pac-Man. Ça déconne plus. C'est déjà reset. Là c'est balle de match. Là il y a 2-0 pour en gros, OG. Atis, en 7-2. En gros. Ouais, Lito ça va. Effectivement, ça va être l'heure de remballer. Voilà, Elex qui va avoir besoin d'un 3-0, hein, d'un reverse 3-0 pour s'imposer face à OG. On sait que c'est possible parce que OG n'aime pas du tout le Pac-Man. OG n'aime pas le Pac-Man, mais maintenant il a eu 4 games quand même contre lui. Et il est chaud. Voilà, on sait qu'il lui faut pas tellement de temps pour s'adapter. Il a eu le temps de réfléchir un petit peu au match-up. Mais pas tellement en fait, parce qu'il a joué aussi la Loser Finals, mais. Il a quand même. Mais globalement, même la bouche d'égout, si tu touches pas. Enfin, la bouche incendie. Hop. Ok. Ça y est, là, OG, il a de la il place. A le. Il va comment on appelle ça, un cerf-volant. Sortir ses petits items. C'est ce qu'il fait bien déjà. Voilà, il attend la bouche d'égout, la bait. Il est très patient sur son là, Pac-Man. Non, il est très bien plus patient qu'au set précédent. Hein. En même temps, Dito, c'est voilà, il attend la bouche d'égout. Oh. Et voilà. Ce qu'il cherchait en fait pas mal tout à l'heure, hein, le nid qui démolit directement la bouche. La pomme qui force un air dodge, hein. On peut trouver un setup du côté de. Voilà, il commence, du côté d'Alex. Il commence à s'habituer aux petites habitudes d'Elexiao. À son Pac-Man aussi sur le ledge trap. Pendant qu'OG essaye de s'adapter, Alex qui le regarde lui-même, qui s'adapte à ses main game. Ouh, c'était bien tenté ça aussi. Oh là là, tellement d'items qui volent. Hein. Et Alex il attend, il gratte, il attend. Et Alex il attend, voilà, il reste patient. Oh, ça air dodge. Ça marche bien, ça a bien marché cette d'avant. Ouais. Il sait aussi, hein, il nous l'a dit tout à l'heure sur le stream et off stream que Pac-Man c'est vraiment un perso que OG n'aime pas. Oh. J'ai pas compris ce qu'il a fait là, j'imagine que c'était un fait, non? Je sais pas ce que c'était. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a compris ce qui s'est passé? Il y a une hitbox qui est sortie, on sait pas bien ce que c'est. Ça a l'air d'être un truc auto-cancel. Oh, ça ouais, conteste Là pareil, voilà, les bons petits bugs du Raptor Boost. Il s'est déclenché bon. Sans... Le perk était bien. Sans tank même, ouais. Allez, OG qui n'est pas out, hein, mais... Il va falloir nous sortir une petite douille quand même, hein. Après, aïe, oh là là, oh, oh là là, oh, le setup poussé, oh là 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 là. Elexiao qui reste d'un calme olympien, tranquille. Il oh bah oui, c'est facile, hein. Passé, là. Tout le monde peut il le faire. Pu, il aurait pu aller nous chercher le petit Twitter combo là, mais. Qui? Enki, ça te dérange? Voilà, et bah écoutez, c'était un plaisir de commenter sur ce stream de NTK. Je vais laisser le commentaire à Enki pour la fin
On n'oublie toujours pas le Meltdown Smash Challenge. Hein. Si vous êtes sur Paris, que vous aimez c'est Smash, que vous n'êtes pas inscrit, et loin de il y a une autre Neocam pour le tease aussi. Bon, alors, quatrième game, c'est ça, game 4 du avant finale. Otakos, là où il y a Otakos. Je fais passer. Avec Tu veux que je fasse passer ou pas? Ok, pardon, excuse-moi. Donc j'étais absorbé dans les commandes de Tacos, excusez-moi. Là c'est à peu près even en pourcent. OG qui s'en sort mieux déjà qu'à la game précédente, qui a tenté d'aller spike. Oh, le catch à la bouche à l'incendie. Le backer, il a du mal à remonter hein. Oh là là, il se fait vraiment dominer Edgeguard hein. Oh, la spot dash, c'était bien senti. Je sais pas si c'est un sort. Oh, et c'est Spike et ça sort. Bien joué. C'est bien Spike. D'OG. Et c'est Yvonne. Ouais, il a frappé Pac-Man avant même qu'il touche son side B. Parce que faut savoir que s'il prend son side B, il a une super armor. Donc il faut frapper juste avant. Mais il est très vulnérable avant. Voilà, avant, mais pas après. Après, c'est 100% safe. Donc c'est un volant qui est récupéré. Niga qui fait des combos. OG c'est impressionnant qui... à voir avant Pac-Man quand même, hein. Y'a pas à dire. En fait c'est très très gimmick, c'est. Ouais. C'est. En fait c'est dur de connaître un match-up de Pac-Man quoi, en gros. Oui. Faut vraiment connaître les coups qui ont du lag, quand est-ce que tu peux aller chercher ou pas. Honnêtement, il faut plus que plusieurs sets contre un Pac-Man, ouais, pour connaître le match-up. C'est pas comme un perso assez classique, genre Ganondorf ou des trucs comme ça pour savoir, tu vois. Et c'est pas n'importe quel, voilà, Pac-Man. Donc ma meilleure Pac-Man de France, hein. Ouais, Grand Fight Zone, Game 4. Ouais, un reset de Ditto Falcon. En gros, ils ont Ditto Falcon sur tout le set. Il y a eu 3-1 pour Roger. Oh, le... Oh, le side B qui sort. Et... Oh, bah c'est fini, Ryan du coup boost, le side B. Le c'est fini, boost, bon bah. Qui lui permet d'avoir cet argent. Close enough. Bon bah, OG a gagné contre Alex Yao. GG.